L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Monsieur le Président! The following session of the Assembly opens in an atmosphere of excitement. The President calls the meeting to order. La séance est ouverte. Avant de procéder à cette discussion... Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking. Correspondents know that this is a front page story. Look, Schumann's just started to speak. Oh Lord, off we go. Le Conseil de l'Europe en effet. France's Foreign Minister, Robert Schuman, is the author of the bold, imaginative plan which bears his name. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement à l'appel français. Deux mois après, ils se réunissent à Paris pour élaborer un projet de traité. Et dix mois plus tard, au Quai d'Orsay, les six puissances signent le traité. La communauté possède un parlement. C'est l'Assemblée commune qui tient ses assises à Strasbourg. Le président de cette assemblée est un ancien président du Conseil italien, M. Pella. M. Pella, qui vous parle maintenant, a la conviction qu'en dépit des obstacles et des préjugés, qu'en dépit des hésitations et des craintes, la volonté l'emportera sur la routine. Le 10 février 1953, un premier train de charbon européen, suivi trois mois après d'un premier train d'acier, franchissait librement les frontières abolies. Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité. Dichiaro aperta la sessione costitutiva dell'Assemblea delle Comunità Europee. In esecuzione dei trattati, l'Assemblea deve procedere ora all'elezione del proprio ufficio di presidenza. Proclamo quindi presidente delle Comunità Europee l'onorevole Roberto Schuman e lo invito ad assumere la presidenza. Nous avons à procéder à l'élection de 8 vice-présidents. Je dois signaler que l'Assemblée a formulé un avis au sujet du siège des institutions européennes. La décision de ce problème difficile n'appartient pas à l'Assemblée. Il est urgent cependant de trouver une solution. Mais l'objectif essentiel demeure néanmoins l'établissement d'une collaboration fructueuse toujours plus étroite entre les exécutifs.
des commissions parlementaires et l'Assemblée elle-même. Peut-être que justement il y a des coordonnées dans les... Le 10 août 1952, la haute autorité entre en fonction. Je viens de confier dans le traité à Lourdes. Nous devons établir et maintenir le marché unique. Leur réadaptation en cas de reconversion et la réalisation d'un plan important de construction de maisons ouvrières.